montre plus que jamais sur ce canon, d'accord? Je devais retrouver Doug pour aller à la pêche, mais les rhinocs ont bloqué le passage avec de la glace, et je n'arrive pas à passer. Ah ouais, mais parce que tu sais pas viser, c'est pour ça. J'ai essayé de dégager le passage avec ce canon, mais il ne tire pas droit. Ah, c'est juste que t'es un gros mongol. Je n'ai rien touché de toute la matinée. Laisse-moi faire. Parce qu'ici, oui, il faut utiliser les canons pour détruire la glace. On peut aussi s'en servir pour détruire la TNT. Par contre, on peut s'en servir pour tuer les oiseaux, ça oui. Ça, c'est même impératif, je veux dire. D'accord. Merci pour ça. C'est pas le piédestal du point de compétence. Ah oui, c'est des boîtes de TNT piégées, il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans qui nous foncent dessus. D'accord, très bien. Alors, en fait, c'est pas toutes certaines. Voilà, voilà, voilà. Là, il n'y a plus rien. Ensuite, on va tomber en bas. Et lui, là, Jean-Pierre l'alpiniste. Et lui, là, avec son pistolet et son armure. C'est pris pour Robocop. Je peux grimper. Là où il n'y a rien. Alors attention, là c'est de la glace. On va rester à côté de la TNT. Là c'est des rats qui font du surf sur les pièces de TNT. Joli. C'est joli. Petit dégage. Tiens, des cadeaux. Il faut pas l'oublier, hein, parce que si on l'avait oublié, on l'aurait encore recherché pendant 10 heures. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Là, c'est bloqué par la glace, il faut trouver un canon. Et une fusée. Une fusée qui ouvre le coffre là-bas au fond. Perfecto. Hop là. Oui. Alors, il faut ouvrir les deux portes. Là, vous avez un œuf. On ira chercher après. Il faut aussi tirer sur ça. Et sur l'oiseau qui vole au fond, là. Ne vous inquiétez pas, il va l'apprendre un jour. Très bien. Sauf qu'on peut pas monter là-dessus comme ça. Il faut qu'on parte d'un endroit plus haut, genre l'endroit qui est ici. Là, on va aller... pourquoi pas en haut? En haut, il y a un coffre, en fait, derrière ce connard. Il est aussi tué au canon. Je reviens. Ce joyau, je sais pas d'où il sort, mais il était là depuis le début, personne ne l'avait vu. Tirer sur le coffre. Très bien, maintenant on peut passer par en bas. On envoie la TNT dans la glace, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Ah, il y a des gens derrière, très bien. C'est le traquenard. C'était un peu le traquenard et on est tombé dedans.
pourquoi tu ne veux pas prendre ce joyau? Ça m'a pété à la gueule. Il y en avait encore un. D'accord. Ok, alors vous voyez qu'il y a un escalier ici. On ne va pas passer à côté car c'est important. Dégage. Seulement là où il y a l'œuf. L'œuf de Maynard. Que d'ici je suis capable d'aller là-bas, j'en suis pas sûr du tout. Non, c'est bien trop prétentieux. Non, non, il y aura sûrement un autre chemin. Et par contre, est-ce que d'ici je peux aller au tourbillon d'étoiles? Je sais pas, peut-être. Je suis pas sûr non plus, mais on va essayer. Non, c'est pas par là. Alors. On avance. La couvert. Ok. Eich, très bien. Petit trou là-dedans. Sur le teco. Donc la petite caisse de TNT. Le Twisterman il dégage. Et on prend possession du canon. Pour tirer sur les TNT. Tirer là-bas. Tirer ici aussi parce que vous voyez bien que... Ah non, je pensais que c'était friable mais pas du tout. Et pour tirer donc sur ces oiseaux. D'abord celui du bas et après celui du haut. Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Pas mal tout ça. On peut accéder à ce tourbillon pour aller chercher le coffre au loin. On peut prendre la caverne ou alors aller ici. Penser ces deux points. Ah, ici il y a un escalier qui descend. Descend vers un autre monde. On ira plus tard. D'abord il faut faire la lumière sur tous les événements. Là, on peut aller. Là il y a un dernier canon. Avec des oiseaux encore. Un de moins. Deux de moins. Ok. Ok. Nous avons ce tourbillon. Ce tourbillon, où est-ce qu'il nous amène? J'ai envie de savoir ça tout de suite. Il nous amène là-bas. On peut pas tout de suite désormais. Parce que de là on peut faire plein de choses. On peut aller là-bas. On prend la vie qui traîne. Combien? 26 vies. On peut maintenant aller au tourbillon ici. Non mais t'es un connard. Pourquoi tu fais ça? Faut que tu refasses tout le tour.
Là-bas, il y a ce gros porte gros sou. On va aller voir après. On peut aller dire bonjour à lui. Lui nous débloque le... J'ai mis des blocs de glace ce matin pour que Bob n'arrive pas avant moi au trou de pêche. Si tu veux essayer de pêcher, tu peux prendre cet appât que j'utilise. On nous débloque le télésiège. Pour accéder au début du niveau et à la fin du niveau facilement. Oh, au fait, tu peux utiliser notre gondole quand tu... Ouais, la gondole, ouais. Moi, j'appelle ça un télésiège. La gondole, c'est plus à Venise, tu comprends. Donc, on disait... ça, c'était plus tard, c'était l'autre monde. Et après, c'était par là-bas, il y avait le canon avec le tourbillon. Nous amène là-bas. Là, je vous disais, attention, je vous spoil pas tout de suite. On va là-bas. Et là, donc, on prend le tourbillon. Qui nous amène là où on avait cassé le coffre avec un œuf. Bravo. Reese. On va aller voir ce gros de gros sous. Il est là-dedans. Le plus grand spectacle au monde se trouve derrière cette porte. Ah, la danse sur glace. Les billets sont disponibles, mais il faut faire vite. Oui. J'ai toujours su que tu étais un drago cultivé. Eh bien, entre, le spectacle va commencer. Merci, Grolard. On va aller faire ça, justement. On va aller faire le spectacle de danse sur glace. Ce soir... C'est mon grand spectacle de danse sur glace. Et ces joueurs de hockey, ça cache tout. Dès que je commence, ils arrivent et me frappent avec leur crosse. J'aimerais avoir un partenaire. Quelqu'un de fort, de beau, de violet. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Tu pourrais m'aider à faire mon spectacle de danse sur glace. Ces joueurs de hockey Rinox sont en train de saccager la glace. Merci, allons-y. Oui, allons-y. Donc elle va faire sa petite danse. Et vous voyez que là, il y a des connards de joueurs de hockey. Il faut leur cramer le pion avant qu'ils viennent défoncer la danseuse. Et ouvre la porte. Ouvre la porte, vas-y. T'as raison, ouvre pas. Va. C'est un peu compliqué avec la caméra qui suit un peu bizarre, mais ça va, on devrait s'en sortir. Qui suit pas vraiment bien les mouvements, mais on se débrouille. Même partout, ça dégage. D'autres, lui là-bas, c'est le dernier sûrement. Allez, ça dégage. Plus personne, hein? Il n'y a plus personne. Faites-moi les malins là. Hein. Le public est content, le public est satisfait de cette danse. On a réussi. C'était mon meilleur spectacle. Je crois qu'un des juges n'a pas aimé. Il m'a lancé un œuf au lieu d'une rose. Prends-le si tu veux. L'œuf de Cerny. Tu pourrais être mon partenaire pour les prochaines Olympiades. Non, c'est bon, ça ira, merci. 60e œuf. Voilà, donc s'il y avait juste ça à faire pour gagner un œuf, on peut partir d'ici. Esprit léger. Et maintenant, c'est l'heure où je vais vous spoiler. On va dire que c'est l'heure où je vais vous spoiler. Donc on va ici, on se retourne à l'endroit spoil. Voilà, et donc ici, qu'on arrive ici. Vous voyez que dans la glace il y a un trou, enfin une espèce de trou. Il suffit de voler sur ce trou, faire une super charge, bim, on brise la glace. Nous pouvons aller sous l'eau, même si l'eau est fraîche, on peut y aller, il y a quelques joyaux qui traînent.
Et c'est tout. Et non, c'est pas tout. Il y a aussi cette caverne. Non ? Oui, voilà, il y a une caverne ici. Avec d'autres joyaux. Parce que là, on peut faire... oui. D'autres joyaux, on fait un peu le niveau sous la glace, mais pas tant que ça. Et là, faut pas l'oublier, hein, sinon... Sinon, après, c'est les grosses embrumes. Et c'est tout. Voilà. Mais il faut le faire, parce que sinon, on oublie des joyaux. Ok. Très bien. Et maintenant, il restait un dernier endroit à aller voir. C'est pas ici, mais on va prendre le canon. Le canon, la gondole, hein, bien sûr. Point de compétence est d'atteindre la plateforme. On l'a déjà atteinte, la plateforme. Je sais pas de quelle plateforme tu parles. On va rentrer là-dedans, on verra bien. Ah, ah oui, ah mais c'est ici. Ah oui. Ici, circuit de voleurs d'œufs. Il y en a deux, un jaune, un rouge. On va commencer par le jaune. Par là. Allez, ça dégage, voilà, Betty là. Très bien. Maintenant, le rouge se met en position. Ouais, j'arrive. Je ne crois pas que je suis en retard. Je n'y crois surtout pas. D'accord. J'ai réussi à le doubler sans le toucher. J'ai mis là-bas, oui, c'est mieux, je préfère. Préfère. Je veux dire, si je t'attrape, je l'ai eu. Scoot. On a eu Scoot. Scoot qui fait du moonwalk et qui est tout blanc. Nous avons tous les œufs. Alors, mais il manque des joyaux. Alors là, je vais vous respoiler. Mais les joyaux qui manquent sont ici. Et ils sont très exactement... Très exactement... Très exactement... Ambiance du mur invisible. Ils sont très exactement là, c'est bon, on vient. Ils sont très exactement là-dessous déjà. Non mais sérieux. Il a réussi à se manger le toit, quel homme. Quel génie ce dragon. Alors il faut remonter par là. Essayer de pas se manger le toit. Voilà, ici. Vous avez plein de joyaux. Là-bas encore plus. Ok. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a d'autres.
Ou alors je dis des grosses conneries, en fait il n'y en a plus. Il me manque 24. Il me semblait que c'était ici, mais alors c'est pas là. Je crois que c'est cette plateforme là qui veut que j'atteigne pour avoir le point de compétence. Je relève le défi. Ah super. Alors, par contre, si on se prend des toits invisibles à chaque fois, ça va être compliqué. Sérieux. Les hitbox, bordel. Travaillez, vos hitbox. Faut que ce soit travaillé, bordel. Voilà. Point de compétence. Et alors, les joyaux que je pensais qu'il manquait sont pas ici. Non, alors j'ai dû les oublier derrière. Encore une fois. On est bien d'accord. Mon portable il fait des bruits bizarres. Mais c'est pas grave. Ok, très bien. Donc c'est bon, on peut partir d'ici. La tête haute. On a tout fait. Point de compétence, œuf joyau, hop hop hop. On remballe. Sortie, c'est par là. Si, merci, au revoir. Très bien.